Ok Jessica, donc on est là pour faire un parcours d'examen. Tu nous as montré la dernière fois que tu étais capable de réaliser un parcours type examen blanc et tu l'as réussi. De mémoire, tu étais aux alentours des 24 points, c'est ça? 23. 23, voilà, donc 23, 24, sans faire du coup de fautes éliminatoires et d'avoir suffisamment de concentration, de contrôle autour de toi, un maximum de sécurité. Pendant environ une demi-heure de circulation en agglomération et hors agglomération. On est jeudi, tu passes ton permis mardi prochain, c'est nos dernières heures de conduite. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'enjeu, aujourd'hui, il n'y a pas de pression. Si tu fais des bêtises, voilà, au contraire, dis-toi plutôt que tu as fait des bêtises aujourd'hui, tu ne les reproduiras pas Mardi. mardi. Je te fais faire le dernier parcours qui est tombé à mon élève cette semaine. Donc c'est un parcours qui est tombé. Il n'y a pas de parcours officiel. C'est un exemple de parcours qui peut éventuellement retomber. D'accord. Est-ce que tu as des questions? Ok, donc Je me sens bien. ben, c'est parfait. Donc si tu es prête, je te laisse démarrer la voiture. Ok. Et dès que tu es prête et que tu as terminé l'installation, on va aller sur la droite. Ok. Tous les voyants se sont allumés, tous les voyants se sont éteints, sauf le frein à main. Est-ce que tu es bien attaché? Je suis bien attaché. On continue. Un petit peu. Mais bien en clignotant. Ouais. Ok. Donc pendant ton parcours, bien évidemment, je vais te faire quelques remarques. Prends-le vraiment comme des pistes d'amélioration Ouais, tout à fait. sur notre leçon d'aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui on est en leçon. Ouais, ok. S'il faut même revenir sur certains points, on le fera. D'accord. Essaye de te mettre dans les conditions de mardi. De mardi, ok. Alors, tu prendras la prochaine à droite, s'il te plaît. Ok. Giratoire, pense bien à ton placement. Oui. On fait un demi-tour. Ça marche.
chez les plus grosses. Voilà. Tu arrives un peu vite. Ouais. Et faut, t'as la place, certes. Ouais. Mais par contre, identifie bien l'exercice. C'est un giratoire. Donc toutes les règles de placement, de contrôle, de communication avec le clientant doivent s'appliquer. Ouais. Allez, prochain rond-point, tu vas en face, tu te corriges. Ça marche. Les deux véhicules stationnés, ouais. Tu vas te mettre entre les deux en épi. Ça marche. Donc tu sélectionnes l'emplacement que tu veux, ouais. Mets-toi en marche avant, en épi, dans l'emplacement de ton choix. Voilà, pas plus. Ok, donc maintenant, voilà, on retourne en circulation. D'accord. On fait la marche arrière. Okay. Tu prends bien ton temps, ouais. Tu mets un maximum de sécurité, okay. De communication avec les autres, et on repart. Ça marche. Alors attention, là, le trottoir. Ouais. Bien ton frein le temps que tu manipules ta boîte de vitesse. Ouais. Ok. Pense à ton placement, tu es dans un sens unique. Je peux prendre la place. Et on va à gauche. On passe. Quelqu'un qui arrive, qui sait qu'il est prioritaire, ouais, il arrive. Ouais. Remets ta main droite, voilà, correctement. Qu'est-ce qui fait que tu peux détecter une priorité à droite? Le trottoir en arrondi, oui. Les panneaux de rue, les jardins, d'accord. Les clôtures de jardin. À droite. Et puis surtout le fait qu'il n'y ait ni marquage ni panneau. Ni partenaire, ouais. Parce que ça, ce que tu viens de me dire, c'est pour détecter une rue. Ouais, mais il n'y a pas de par... ouais, y a pas de. Donc on est arrivé à destination, tu vas te mettre sur la deuxième partie du parking, mets ton clignotant à droite, ralentis, tu choisis l'emplacement de ton choix et tu te mets en marche avant, tranquillement. Okay. Ralentis, ralentis, ralentis. Voilà. Hop, tiens bien ton frein, point mort. Point mort, frein. Ouais. Voilà, frein à main, coupe le contact, tu peux lâcher les pédales. Donc, voilà. À quoi ça peut ressembler également. Tu as déjà fait deux différents parcours, ouais. Tu en as fait un nouveau. Là, tu l'aurais eu, clairement, tu l'aurais eu. Juste attention, quand tu es sorti de ta manœuvre en épi, tu t'es approché beaucoup trop du trottoir, tu as pris beaucoup trop de place. Tu aurais pu rebondir contre le trottoir. Imagine, ça aurait été autre chose, un véhicule, ça aurait été un piéton, un usager vulnérable. Ouais. Ça aurait pu être un peu plus dangereux. Ouais. Donc j'aurais dû reculer et tourner c'est en ça, même temps. C'est ça. Ouais, ok. Mais sinon, moi j'estime que tu es prête pour mardi. Tu es à toi maintenant. Tu as toutes les compétences, tu as toutes les cartes en main pour réussir. Ouais. Et je me sens bien. Et bah tant mieux. Ouais, franchement, je me sens super bien.
J'étais pas énervé, j'étais calme. Même ma vitesse, j'ai maîtrisé. Bien sûr. T'as maîtrisé ton allure, t'as maîtrisé ton environnement. Mon insertion, elle était bien aussi. Elle était géniale. Ma sortie pour rentrer dans Vernouillet, la vitesse, je suis à gérer aussi. T'as compris la réglementation, ouais. T'as compris les règles de circulation, t'as compris le gabarit de ton véhicule, t'as compris la mécanique, que ce soit en termes d'accélération et de freinage, puisqu'on est en boîte automatique. Ouais. Donc maintenant, c'est à toi de trouver justement cette énergie, cette concentration pour tout faire de cette qualité-là, plus encore, parce que je sais que tu peux sortir encore plus pour mardi. Et là, du coup, le permis est à toi. Ouais, c'est génial. C'est bon pour toi? C'est parfait pour moi. Ouais. Et bah, on finit là-dessus.